Rizzy, Rizzy. What's up? Ceux qui nous connaissent, il y en a beaucoup qui ne nous connaissent pas ici. Faire voyager dans notre carrière, OK? Vous savez, moi et Eric, on est vraiment... Merci pour la guitare. On est vraiment très motivés, on est très entrepreneurs. On est toujours go, 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 go. Puis on est... c'est ça, on a beaucoup d'entrain, puis on a beaucoup d'idées surtout. Puis il y a 3 ans exactement, Eric m'appelle un soir, puis on s'appelle environ 50 fois par jour. Pour ceux qui nous connaissent, on est toujours en train de s'appeler, puis on se dit des affaires, on se compte des projets, on a toujours plein d'idées. Puis là, Eric me dit, Dan, j'ai une méchante bonne idée, j'aimerais installer un panneau publicitaire pour promouvoir notre album sur le pont, sur un pont. Puis évidemment, moi, je suis motivé dans la vie, puis je dis, oui, on le fait. Puis j'ai dit oui. Sans trop savoir l'implication de ce oui. Et l'implication de ce oui, c'est que ben, le panneau, c'est un panneau, tu sais, les panneaux géants, tu sais, puis ça coûtait 13 000 $ pour 28 jours. Ça, c'était la première implication que je savais pas trop quand je dis oui. Puis l'autre implication, c'est que c'était illégal, c'était très illégal, parce que ce qu'on voulait faire, c'est qu'Éric voulait mettre un émetteur radio qui diffuserait notre chanson 24 heures sur 24. Cette fois-ci, c'est moi qui appelle Eric, c'est environ 2 ans. Puis là, je l'appelle dans mes 5 ans appels que je fais par jour. Puis là, je dis Eric. J'ai une méchante bonne idée. Puis Eric, motivé comme qui, dit ouais, on l'a fait. Sans trop savoir les implications de son oui, mon idée était la suivante. On voulait s'installer dans une bulle pendant 7 jours et 7 nuits sur le trottoir. On a couché là pour écrire une partie d'un album. On s'est installé là avec notre studio, nos instruments, un drum. Et c'était sur la rue Sainte-Catherine. Donc on a écrit une partie de notre album, Vie ta vie. Puis, on vous conte une petite anecdote avec ça, c'est qu'il nous fallait une genre de bulle, une genre de serre, puis on avait été chercher des commanditaires. Puis, on avait eu un commanditaire pour la bulle, puis tout ça, puis on avait ramassé un peu d'argent, puis une semaine avant l'événement, le commanditaire nous dit, les gars, oubliez ça, on n'est pas capable de vous fournir la maison, la bulle. Puis on était vraiment déçus, on voulait le faire à tout prix cet événement-là, nous, motivés comme qu'on est. Là, on a pris tout l'argent qu'on avait ramassé, toutes les scènes qu'on avait ramassées, du commanditaire, on était chez Solarium de Paris. Et on était acheté une serre, tu sais, un Solarium, là, 14 pieds par 14 pieds, puis on l'a installé dans la rue. Puis on avait vraiment tout investi là-dedans. Puis on s'est installé là, ça a bien fonctionné. 7 jours et 7 nuits, on a composé 4 chansons qui figurent sur notre dernier album, Vie ta vie. On savait qu'à partir de cet événement-là, qu'on continuerait à s'amuser tout en suivant ce rêve de faire de la musique. Et on vous joue la chanson qui s'appelle Living and Loving. 1, 2, 3, 4. Je choisis de vivre une vie sans regret. Suis ma voix en fin de danse. J'adore un monde passé. Je me colle pour café. J'ai choisi de monter. De mourir la